que je sois sûre. Faudrait que je recompte. Moi, à votre place, je recompte. Foule, la compte s'est écrite. Ne pas dépasser la dose prescrite. Comment voulez-vous que je les recompte, moi, maintenant, les gouttes? On ne les voit plus. Elles se sont mélangées dans le verre. Oh, ben alors, ça fait rien. Hein. Comment ça fait rien? Ben oui, du moment qu'elles se sont mélangées, c'est plus des gouttes. C'est une flaque. Alors je me demande bien pourquoi je me serais donné la peine de les compter avec mon compte-gouttes. Ah, moi aussi. C'est des drôles de gouttes. Parce que dans le flacon, je n'en vois pas non plus. Mais mon pauvre ami, c'est dans le compte-gouttes qu'elles étaient. D'ailleurs, c'est bien simple. Je vais les remettre dedans. Oh, ils ne voudront pas y remonter. Oh, je voudrais bien voir ça, avec un compte-gouttes comme j'en ai un. Ah, c'est vrai qu'il est super. Ah, je pense bien. C'est un compte-gouttes de Besançon. La pas plus puissante comme compte-gouttes. Vous allez voir comment elles vont y remonter. Et plus vite que ça. Mais vous croyez qu'elles vont y remonter dans l'ordre? Ça n'a pas d'importance. Le docteur, il a dit 10 gouttes. Il n'a pas spécifié. Il fallait que je les choisisse particulièrement. Ça fait bien. Ça ne doit pas être bon pour la santé des gouttes qui se sont mélangées comme ça. Bon, l'essentiel, c'est que ce soit des gouttes. Et puis, je vous préviens, regardez bien, parce que ça va plus vite dans ce sens que dans l'autre. Allez-y, je suis curieux de voir ça. Voilà ce que j'appelle un compte-gouttes. Un outil soigné comme ça. Je vous jure qu'on peut faire du bon boulot avec. Oui. Seulement, vous n'avez pas eu le temps de les compter, vos gouttes. Elles sont remontées trop vite. Mais je n'ai pas essayé. Un compte-gouttes, si vous saviez un peu ce que c'est, ça ne compte les gouttes que dans un sens. Ah! Ben oui, ça compte les gouttes qui sortent, pas les gouttes qui rentrent. Ça a un sens, quoi. C'est comme les tire-bouchons. Et tire bouchon, ça tire les bouchons vers le haut. Et bien le compte-gouttes, ça pousse les gouttes vers le bas. Vous êtes sûr que c'est vraiment un compte-gouttes de Besançon? Ah, il n'y a pas de compte. C'est maman qui l'a acheté là-bas. Ah, de Besançon, votre maman? Oui. Oui, ça vous savez, il n'y a pas que votre maman qui soit de Besançon. Il y a des tas de gens qui sont de Besançon. Et puis il me semble qu'un compte-gouttes vraiment perfectionné, ça devrait coter les gouttes dans les deux. Et à quoi ça servirait pour un compte-gouttes de compter les gouttes deux fois? Et puis ça aurait l'air malin si on ne trouvait pas le même compte la deuxième fois. Et pourtant, ce que vous êtes obligé de faire en ce moment, de les compter une deuxième fois, vos gouttes? Oui, mais ça c'est de ma faute. Quand on compte quelque chose, il faut faire attention. Si j'avais fait attention, j'aurais pas besoin de les compter une deuxième fois.